présent là, je dis, dans la Fondation Eucharistique de Bokassi, et j'aimerais toujours dire, bienvenue à Kanyou pour rendre la presse. L'occasion, fin année 2015, on vient voilà saluer le peuple haïtien. Nous connaissons situation difficile à vivre, à problème, rigoureuse, misère, exclusion, la vie chère et sécurité qui ne fait pas qu'à fêter fin d'année ça. Malgré toute tribulation sale, courage nous, à dignité nous, réussir forcer machine pour l'état électoral de ce octobre ralenti. Bravo pour nous tous qui choisissent de continuer la bataille ça, qui concerne la vie et l'avenir tout haïtien. Face à la mobilisation diable, le peuple a mené contre le coup d'état électoral là. Kepla, le conseil électoral provisoire là, a gagné notre choix qui est renvoyé mascarade 27 décembre. Les Haïtiens connaissent le conseil électoral provisoire là, à pouvoir, c'est seulement teke frein machine coup d'état. Mais coup d'état n'a pas campé. C'est vrai! Peuple n'a pas qu'à dormir. Même Jean peuple haïtien, un peu ferme, pour lui dire, le conseil électoral provisoire, là, il n'a pas accepté aucun résultat bluff pour le 25 octobre 2015, là, ni présidentiel, ni parlementaire. C'est avec même détermination, ça, la continue à réclamer une commission de vérification indépendante qui construit la concertation à proposition. Voix peuple. 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 C'est peut-être ça, Famila Valas, lancer une fois encore un appel pour nous tous qui ont les mêmes revendications. Haïtiens patriotes, démocrates, universitaires, partis à regroupement politique. L'église, organisation droit mouni, à toute notre organisation de la société civile là, pour nous courir bataille peuple haïtien et mettre tête nous ensemble pour sauver le pays. C'est plus grand cadeau de Noël et solidarité. Nous n'avons offrir le peuple haïtien. Famille Lavalas a pris des membres. Nous continuons à courir toute mobilisation qu'a faite dans quatre pays pour l'état électoral. Ça a passé. Pour l'état électoral, ça n'a pas passé. Dans l'occasion, fin d'année 2015, la famille Lavalas a dit que haïtien, courage, courage. C'est force, courage, peuple qui a couché. Délivrance démocratique. Non seul nous faire. Ensemble nous fort. Ensemble nous fort. Après-midi, je dis, le peuple haïtien veut la paix. Livré de bonnes élections libres, honnêtes, démocratiques, qui pourraient être des élus légitimes, qui pourraient représenter à tous les niveaux. Nous sommes en 2010, nous sommes en 2010 à 2015, ça s'apporte pour nous. Nous n'avons pas qu'à prendre encore 2015. Et c'est peut-être ça, avec le peuple haïtien, nous-mêmes dans la famille Lavalas, nous disons que l'État électoral ça n'a pas passé. Yeah, madame! Déclaration nous fait aujourd'hui que nous avons besoin d'une commission de vérification indépendante qui monte en concertation avec l'opposition. C'est le monde qui est allé protester. Je dis ni famille Lavalas qui t'a contesté, ni famille Lavalas qui a refusé droit pour la le tribunal après lui faire vérification dans cette application. Hein. Ni Menseka qui était là comme le parti politique pour vérifier. Il y a un qui
invité pour aller ça qui a passé là aujourd'hui dans la commission soi-disant qui votait. Nous disons commission pour les jouer une confiance peuple haïtien, pour les jouer une confiance tout secteur, les besoins de participation, monter en concertation avec l'opposition. L'opposition est un bon outil là-dedans. D'accord? Nous ne pouvons pas dire barrer voler, des fraudes massives, des votes, et puis c'est pour nous appeler barrer voler derrière là, c'est pour nous aujourd'hui, et je suis sous table avec commission pour vérifier ça qui est passé 25 ans. Let's go!